On introduira la méditation d'aujourd'hui par la lecture d'un passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, pardon. Et on va lire à partir du verset 26. Luc 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. On arrêtera là pour l'instant notre lecture. Et on va se pencher sur cette parole du Seigneur. Au temps du Fils de l'homme, il en sera comme du temps de Noé et comme du temps de Lot. Ces deux événements sont deux jugements. Le premier jugement est un jugement par l'eau. On en a beaucoup parlé. On a parlé du déluge comme étant un baptême, on a parlé des eaux d'en haut qui venaient purifier les eaux d'en bas, et on avait fait une étude, si vous vous souvenez, sur Noar, qui rentrait dans l'arche, la Teva en hébreu, et Noar veut dire repos, et le mot miroir qui correspond à Noar, c'est le mot Ren, et Ren veut dire grâce en hébreu. Donc, Teva, qui veut dire aussi un mot, le verbe. C'est la parole de Dieu. Je vous refais pas l'étude sur l'arche de Noir. Dans les dimensions, il y a le nom de Dieu qui est dedans. Ça, je vous renvoie au message qu'il y avait apporté pour l'arche de Noé. Et donc, ceux qui ont été sauvés lors du jugement sous Noir, c'est ceux qui sont rentrés dans le repos de la parole de Dieu, et en rentrant dans le repos de la parole de Dieu, ils étaient sous la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'ils étaient sauvés du jugement. On peut dire que Noé, il est l'exemple, le type des, on va paraphraser, on va reprendre au goût du jour, du chrétien, de l'enfant de Dieu, parce que même chrétien, c'est galvaudé. Les hommes ont mis tellement de barrières, ont mis tellement de séparations qu'il y a des moments, même les mots ne perdent leur sens. On va dire les enfants de Dieu, pour être plus précis. Ceux qui ont cru, au sacrifice de Jésus-Christ et qui ont accepté le salut en Jésus-Christ. Voilà, les enfants de Dieu. On peut dire que Noah et sa famille typifient ces personnes qui ont accepté d'être introduits par la grâce dans la parole de Dieu et de vivre selon, comment dire, à l'aune de la parole de Dieu. Et en faisant cela, ils étaient éclairés par l'Esprit Saint et ils étaient mis hors de danger quand Dieu a jugé l'humanité à ce moment-là. Pour ce qui est de Lot, c'est un peu différent parce que je crois fondamentalement que l'exemple de Sodome et Gomorre, c'est la fin de notre dispensation. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse que les cieux et la terre se consumeront par le feu. L'apôtre Pierre disait que cette terre que nous connaissons aujourd'hui est réservée pour le feu. Et on voit bien que le jugement qui a été apporté sur les villes, les cinq villes, donc Sodome, Gomorre et les trois autres villes, était un jugement par le feu. Des chercheurs ont retrouvé du soufre pur à l'endroit où étaient les villes, c'est-à-dire que, et on n'en trouve pour ainsi dire pas sur Terre, c'est un soufre qui est le plus pur qui soit. Donc vous imaginez ce que ça devait être, d'autant plus que, comme nous le dit la Bible, dans cette vallée-là, il y avait des puits de bitume, donc des champs pétroliers. Donc quand le soufre et le feu est tombé du ciel et qui a enflammé et les puits de bitume, on peut imaginer la catastrophe que ça a été. Donc le jugement était là, bien sévère. Oui,
comme la terre que nous connaissons va être consumée par le feu, comme le ciel va être dissous, et les mots sont dits, les éléments se dissoudront. Ça veut bien dire qu'il y a un cataclysme de jugement qui va venir. Mais dans ce laps de temps-là, qu'est-ce qu'on peut apprendre, donc du jugement évidemment qu'il y a eu pour Noah, mais qu'est-ce qu'il y a eu, quelles leçons pouvons-nous tirer de Lot? Alors on va lire un passage dans le livre de la Genèse, au chapitre 19, et on va commencer au verset 15, je pense. Oui, on va lire à partir du verset 15. Donc, Genèse 19, verset 15. « Comme l'aube paraissait, les envoyés pressèrent Lot en disant, « Debout, emmène ta femme et tes deux filles ici présentes, si tu ne veux point périr pour les crimes de cette ville. » Comme il tardait, ces hommes le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, l'Éternel voulant l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Lorsqu'ils l'eurent conduit dehors, l'un d'eux lui dit, « Songe à sauver ta vie, ne regarde pas en arrière et ne t'arrête pas dans toute cette région, fuis vers la montagne de crainte de périr. » L'autre leur répondit, « Oh non, mes seigneurs, sers déjà ton serviteur à trouver grâce à tes yeux, et tu m'as accordé une grande faveur en m'en conservant la vie. Mais moi, je mourrai... » Pardon. J'ai perdu le filet. Voilà. Mais moi, je ne saurais fuir jusqu'à la montagne. Le fléau m'atteindrait auparavant et je mourrais. Vois plutôt cette ville-ci et assez proche pour que je puisse m'y réfugier. Elle est peu importante. Puis-je donc y fuir vu son peu d'importance et y avoir la vie sauve? Il lui répondit, eh bien, je te favoriserai encore en ceci, en ne bouleversant point la ville dont tu parles. Hâte-toi, cours-y, car je ne puis agir que tu n'y sois arrivé. Voilà pourquoi l'on a appelé cette ville Tsoar. Le soleil avait apparu sur la terre lorsque Lot arriva à Tsoar. L'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu. L'Éternel lui-même, du haut des cieux, il détruisit ces villes, toutes les plaines, tous les habitants de ces villes et la végétation du sol. La femme de Lot, ayant regardé en arrière, devint une statue de sel. Abraham se dirigea de bon matin vers l'endroit où il s'était tenu devant le Seigneur. Il considéra l'aspect de Sodome et Gomorre et l'aspect de toute la plaine. Il remarqua qu'une exhalaison s'élevait de la terre, semblable à la fumée d'une fournaise. Mais lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Il avait fait échapper Lot du milieu de la subversion, tandis qu'il bouleversait la contrée où avait demeuré Lot. On arrêtera notre lecture. Texte très intéressant. Lot, on va pas refaire toute l'histoire de Lot, il avait quitté Abraham parce que le chemin qu'Abraham suivait, le chemin de foi, le chemin spécial d'Abraham ne lui convenait pas. Et la Bible nous dit qu'il leva les yeux vers la plaine de Sodome et Gomorre et celle-ci sembla être comme un jardin d'Éden. Et il choisit cette plaine-là, la facilité. On va paraphraser, il a choisi la facilité du monde, mais en même temps, il voulait garder le salut. Alors, les deux dernières méditations qu'on a eues ensemble avaient trait à la croix. La marche normale du chrétien, c'est de vivre selon la croix, la mort à soi-même et la résurrection par l'œuvre de la croix en nous. C'est vivre selon ce que Noah a vécu dans l'arche. C'est-à-dire rentrer dans la parole, obéir à la parole, vivre selon les modalités de la parole, écouter, obéir, observer les commandements de Dieu et chercher la pensée de Dieu à travers sa parole, par le Saint-Esprit, pour conformer notre vie à celle-ci. Ça, c'est la marche normale d'un chrétien, on a envie de dire, ou d'un enfant de Dieu. Mais il en est qui ne veulent pas de ce chemin-là. Et c'est frappant de noter que Lot pouvait être lui-même au bénéfice des bénédictions d'Abraham. Il aurait très bien pu dire, écoutez, là, j'écoute mon oncle,
je vais régler les problèmes avec nos bergers, du moins avec les miens. Je ne veux pas qu'il y ait de querelle entre nous, parce que je veux m'attacher à toi, car tu es l'homme à qui l'Éternel a fait ses promesses. Et je veux être rendu participant à ses promesses. Mais Lot voyait le bénéfice immédiat. Il était de la famille d'Abraham. Il était l'oncle, le neveu, pardon, de l'homme à qui les promesses de l'Éternel ont été faites. Il était le neveu de l'homme qui est appelé l'homme de la foi. Et pourtant, il a choisi Sodome. Il a choisi la facilité du monde du péché. Alors, évidemment, il a été confronté à beaucoup de cas de conscience. La Bible nous dit que Lot tourmentait son âme jour et nuit à cause du péché qui l'environnait. Il faut savoir que Sodome et Gomorre étaient des villes, on ne peut plus, villes, dans, méchantes, mauvaises. Vous savez que il était interdit aux populations d'aider un mendiant, d'aider l'indigent. Une femme de Sodome a aidé un jour un homme qui était dans la ville et qui l'a accueilli, lui a donné à manger. Elle a été tuée sur la place publique. Ils avaient frappé une monnaie spécifique pour l'étranger et l'indigent. Et cette monnaie, quand l'indigent arrivait dans la ville, on lui donnait un sac avec de la monnaie. Alors il était tout heureux. Sauf que ces pièces-là avaient une particularité qui faisait qu'aucun commerçant de Sodome n'acceptait cet argent. Donc l'homme qui mourait de faim mourait avec une bourse remplie d'argent et tout le monde riait de cela. Voilà, c'est la tradition juive qui nous le raconte. Donc voilà le type de personne qui se trouvait à Sodome. Et là, je ne vous parle même pas du désordre dans la sexualité. Le texte nous en parle quand il y a eu les anges qui sont venus, donc les envoyés qui sont venus pour sauver Lot, ils ont voulu les violer. Donc, du plus petit au plus grand, tous se tournaient vraiment vers le mal. Alors, toute ressemblance avec notre génération serait vraiment fortuite, n'est-ce pas? Tous cherchent la débauche, peu importe qu'il y ait un indigent, tout le monde l'ignore, du moins une grande partie de nos contemporains l'ignore. Nos politiques font semblant, pardon, de s'en occuper en disant « Croyez-moi, élisez-moi, et d'ici 5 ans, il n'y aura plus de pauvres dans les rues de Paris, bref, ou dans les rues de françaises. » On voit ce que ça donne, les promesses, avait dit un de nos chers présidents, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. On a cette preuve-là à longueur de temps. Donc, il en sera comme du temps de Noé et de Sodome. Quand Noé a fabriqué l'arche, Dieu a donné 120 ans à l'homme de grâce. 120 ans de possibilité de se repentir et de dire « ça ne va pas ». La violence qui existe dans notre génération, la débauche également, c'était les mêmes choses qui se passaient du temps de Noé. Là maintenant, je demande à Dieu de me pardonner et je vais aider Noé. Et je vais lui demander de participer au sauvetage. Je comprends qu'il y a un jugement qui vient. Mais non, les hommes buvaient, mangeaient, mariaient leurs enfants. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai vu un jour un t-shirt. C'était écrit en anglais, mais c'est « La génération de Noé riait et se moquait de Noé. » 3 petits points, puis la pluie vient. 20, pardon. Les gens de notre génération se moquent. Se gosse de ceux qui attendent le salut de l'Éternel, attendent le retour de Jésus. Parce qu'on se dit, ça fait tellement d'années que le Seigneur, votre Seigneur doit revenir. Même parmi les chrétiens, qui aujourd'hui attend tous les matins en se disant, Seigneur, est-ce le jour où tu reviens? Combien? C'est une bonne question. Il y en a de moins en moins. Jésus disait, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? C'est-à-dire, trouvera-t-il encore quelqu'un qui l'attendra? Qui l'attend aujourd'hui, sincèrement? Vraiment? Et alors, la pluie vint. Et là, j'ose imaginer,
Je n'ose imaginer. Le cri des animaux qui étaient en train de se noyer. La terreur parmi les animaux. La terreur parmi les humains qui devaient frapper contre l'arche en disant « Noé, Noé, ouvre, ouvre, sauve-nous !» Mais c'est pas Noah qui ouvrait ou qui fermait la porte. C'est l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le temps de la grâce, 120 ans. Et une fois que la porte de la grâce était fermée, c'était fini. Sodome et Gomorre étaient dans le temps de la grâce. Et en plus, parmi eux vivait un homme qui pouvait leur expliquer d'une certaine manière la grâce parce que il pouvait leur dire, j'ai un oncle, vous croyez qu'ils ignoraient que Abraham était sur les près des chaînes de Mamré? Mais tout le monde savait qu'Abraham était là. Tout le monde connaissait Abraham comme étant béni de Dieu et qui avait des richesses qui étaient données par Dieu. Et pourtant, ils ont continué à pécher. Ils ont continué à se moquer. Ils ont continué à dire... Là, on retrouve cette même notion avec les gendres de Lot. Lot parut plaisanter à leurs yeux. Puis j'ai envie de dire... Et puis le déluge de feu vint. Et notre génération s'enfonce toujours plus dans le péché. Alors je suis pas là pour apporter un jugement de valeur sur notre génération. L'humanité suit son histoire, suit son parcours jusqu'au jour où le jugement va venir, où le temps de la grâce sera arrêté. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont ceux qui se disent enfants de chrétiens, enfants de Dieu, ou ceux qui sont enfants de Dieu. Alors il y a deux sortes, il y a ceux qui se disent enfants de Dieu, qui ont plus adhéré que d'avoir fait une expérience du salut en Jésus-Christ. Alors eux, c'est très simple, ils ont part au jugement. On ne va pas discuter, on n'a pas à se poser des questions. Celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, qui n'a pas demandé pardon par la repentance et qui a demandé à Christ d'être son sauveur et son Seigneur, aura part au jugement qui vient. Faut pas se poser de questions. Faut pas se dire oui, mais il y aura peut-être une possibilité de... Non. Il y aura pas de possibilité de... Le jugement, ils auront part au jugement avec les autres. Ensuite, vous avez les personnes qui sont comme la génération de Noé, c'est-à-dire de la famille de Noé. Ceux qui disent, maintenant je veux me fonder sur la parole, je veux vivre la croix. Alors évidemment, ces personnes-là, non seulement n'ont pas part au jugement, mais il y a quelque chose de particulier pour elles. Et on en parlera à la fin de cette méditation. Et puis il y a l'entre-deux. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, parce qu'on se dit, mais attends, on n'est pas chrétien ou à moitié chrétien ou complètement chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des gens qui sont sauvés, mais qui sont comme Lot. Ils se trouvent très bien dans le monde. Ils se trouvent très bien dans leur vie matérielle, dans leur vie de tous les jours. Ils veulent, oui, bien sûr, le salut de Dieu en Jésus-Christ, mais en même temps, Seigneur, moi, je veux pas perdre ma vie terrestre, je veux garder ma possibilité de marier mes enfants, la possibilité d'avoir une belle carrière, la possibilité d'avoir de belles voitures, d'avoir une belle maison. Je dis pas que c'est pas légitime et qu'on ne peut pas le demander au Seigneur. Mais le problème est que ces choses deviennent premières dans leur vie. Tout comme Lot, ils lèvent les yeux vers ce que le monde peut leur proposer. Et ils regardent et vont vers ce qui satisfait leur cœur. Non pas vers le chemin de la croix et de la foi en Christ, pour que Christ puisse se manifester toujours plus grandement en eux. Non, ils vont vivre dans le compromis. Ils vont vivre dans la compromission. Alors évidemment, il y a des moments, ils vont se sentir, ah quand même, là les hommes, ils exagèrent, hein, le péché est quand même grand. Alors bah, ça gêne aux entournures, donc on se trouble un peu. Mais quand même, on aime le Seigneur, et en même temps, et on est un peu à cloche-pied. Eh bien, c'est ce que disait Paul dans l'Épître aux Corinthiens, vous lirez ça dans la première Épître aux Corinthiens, où il est dit, ceux qui auront leurs œuvres qui seront consumées par le feu. Pour eux, ils seront sauvés, mais comme à travers du feu. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Lot. Il a été sauvé, mais comme à travers du feu. Et regardez que Lot a une part, malgré tout, du jugement de Sodome et Gomorre. Pourquoi?
On va lire ce texte dans la Genèse au chapitre 14. Chapitre 14 du livre de la Genèse. Et on va lire à partir du verset 1er. Ceci arriva du temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Éroc, roi d'Elassar, de Kerdor Laomer, roi d'Elam, et de Tidal, roi de Goyim. Ils firent les guerres à Béra, roi de Sodome, et Birsha, roi de Gomorre, à Shinab, roi d'Adma, à Shemeber, roi de Séboïm, et au roi de Béla, la même que Soar. Tout cela se réunirent dans la vallée de Sidim, qui est devenue la mer de Sel. 12 années, ils avaient été asservis à Kadorléomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. La 14e année, Kadorléomer s'avança avec les rois, ses alliés, et ils défirent les Réphaïm, à Atechot, Hanaïm, les Uzim, à Ham, les Hémim, à Chavé, Kariataïm, et les Oréens, dans leur montagne de Séir, jusqu'à la plaine de Pharan, qui borde le désert. Il revint marcher sur Mishpat, la même que Kadès, et dévastèrent tout le territoire des Amalécites, et aussi l'Amoréen, établi à Assason Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, celui d'Adma, celui de Séboïm et celui de Béla, ou Soar, et ils se rangèrent contre eux à la bataille dans la vallée de Sidim. Et on va aller un peu plus loin. Ils prirent aussi, donc au verset 12, ils prirent aussi avec ses biens Lot, neveu d'Abraham, qui était à Sodome, et se retirèrent. Les fuyards vinrent et apportèrent la nouvelle à Abraham, l'hébreu. Celui-ci demeurait dans les plaines de Mamré, l'amoréen, frère d'Hercol, et d'Aner, lesquels avaient été alliés d'Abraham. Abraham, ayant appris que son parent était prisonnier, arma ses fidèles, enfants de sa maison, 318. Et ça, c'est important. Et suivit la trace de ses ennemis jusqu'à Dan. Il se glissa sur eux la nuit avec ses serviteurs, les bâtit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à gauche de Damas. Il reprit tout le butin, ramena aussi Lot, son parent, avec ses biens et les femmes et la multitude. On arrêtera l'un de lecture. Et là, nous voyons que Lot, eh bien, il a part au jugement de Sodome. Et c'est très intéressant parce que les 4 premiers rois que l'on a cités correspondent exactement aux 4 empires de l'humanité. Vous avez le premier qui est roi de Shinéar. Shinéar, c'est Babel. Le deuxième roi, c'est l'empire médo-perse, Elam. Le troisième roi correspond aux Grecs. Et Goyim correspond à Rome. Pourquoi ? Parce que les Hébreux appelaient les Romains... je vous avais déjà expliqué que, pour ne pas tomber sous la censure, ils utilisaient des synonymes que les Romains ne pouvaient pas comprendre, de manière à ce qu'ils ne soient pas mis à l'index, que leurs écrits ne soient pas mis à l'index, ou que même eux soient jugés et même poursuivis ou même mis à mort. Et donc, ils appelaient Rome les nations. Pourquoi ? Parce que l'Empire romain incluait tellement de nations, tout le bassin méditerranéen, donc ils l'appelaient les nations, Goyim. Et c'est intéressant de voir que ces rois-là ont emporté Lot avec Sodome, avec les habitants de Sodome. Donc il y avait cette mise en, comment dire, pas en esclavage, mais en quelque part un peu quand même, où Lot est happé, et amené et déporté, où ? Dans les empires des nations. Dans les empires de la statue de Daniel. Alors qu'Abraham, lui, est à l'extérieur. Eh bien, Lot va participer à tout ce jugement-là de l'Éternel. Il y a des chrétiens qui sont là et qui se disent « Ah, je comprends pas, c'est difficile pour moi, je ne suis pas solide parce que... » Mais ils vivent selon le modèle du monde. Ils vivent selon le modèle de ce que l'empire humain leur propose. Et ils se disent « Je comprends pas, je suis faible, regarde, je suis attaqué de toutes parts et je suis emmené en déportation par un ennemi que je ne comprends pas, je suis en faible, alors qu'il y a parfois des frères et des sœurs, je les vois solides dans la foi, moi je suis chancelant, aidez-moi, priez pour moi. » Ils n'ont pas de fondement.
ils n'ont pas de fondement. Ils ne peuvent pas mettre en pratique leur foi pour être vainqueurs. Il leur faut quelqu'un pour les délivrer. Et vous avez noté, Abraham arma 318 personnes de sa maison. Pourquoi il y a cette précision? Eh bien, Abraham, il avait son premier serviteur, qui était même son, il devait être son successeur, son héritier, c'était Eliezer. Et Eliezer était un homme qui typifie le Saint-Esprit. Quand il a été chercher l'épouse de Yitzhak, vous vous souvenez? Eh bien, Avram, typifie le père, Yitzhak, c'est le fils, et Eliezer est l'Esprit Saint qui vient dans le monde pour chercher l'épouse du fils. Et Eliezer, c'était le serviteur fidèle d'Abraham. Gématria, poids numérique d'Eliezer, 318. Que veut dire Eliezer? Dieu secours. Donc, Abraham a armé 318 hommes. J'ai presque envie de dire, Abraham a pris Eliezer avec lui. Et il a été délivré. Son neveu. Des quoi? Des empires humains. Dieu a secouru Lot des empires humains par la puissance, je paraphrase, hein, d'Eliezer, du Saint-Esprit, qui est Dieu secours. Sur quelle base? Celle du Christ qui est mort pour nous. Pourquoi? Parce que Abraham portait en son sein, dans ses reins, le Machiav. Donc il est délivré. Il aurait pu se dire, là, franchement, le Seigneur me donne, me secourt, le Seigneur m'apporte la délivrance, le Seigneur me donne la délivrance de l'épreuve dans laquelle je suis, le monde me met dans l'épreuve et le Seigneur m'en a délivré, le Seigneur m'apporte le secours dont j'ai besoin, le Seigneur m'apporte le soutien dont j'ai besoin. Ah ben maintenant, Seigneur, je vais me tourner vraiment, je vais vraiment plus clocher d'un pied ou de l'autre, je choisis la croix. Qu'est-ce qu'il fait, Lot? Il retourne à Sodome. Il retourne à Sodome. Il veut pas perdre sa vie. Il veut pas perdre sa vie. Et puis le temps de la grâce s'arrête. Le temps de la grâce, c'est fini. Le jugement tombe sur Sodome et Gomorre. Et on a tout ce récit qui est d'une tristesse infinie quand on voit dans quel état d'esprit se trouve Lot. Quand on lui dit, attention, le jugement vient là maintenant. Oh, est-ce que je peux pas garder un tout petit peu de ce que j'avais à Sodome? Regarde la petite ville là-bas. Et oui, ils sont pareils que Sodome, mais c'est tellement petit. C'est tellement petit que je peux garder au moins ça. Parce qu'autrement, je vais mourir, moi. Moi, je peux pas vivre hein, sans le modèle du monde, hein, sans que le monde me propose. Tu rigoles, je peux pas. Faites-moi la grâce, la toute petite ville le soir, là, vous avez vu. C'est une toute petite, 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 petite Sodome. C'est pas méchant. On peut. Vous imaginez, il marchande encore alors que c'est sa vie qui est en jeu. C'est sa vie éternelle qui est en jeu. Quand le Seigneur dit aux chrétiens, si tu ne me suis pas, si tu vas perdre ta récompense. Oui, mais Seigneur, moi, je veux garder. Je veux avoir ça dans la vie. Je veux avoir ça sur terre. Le Seigneur te dit, mais je te propose d'être un vainqueur. Je te propose de régner avec moi. Ah, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux pas vivre selon le modèle d'Abraham. Non. Non. Ce que je veux, c'est vivre. Allez. Je vais être sauvé de Sodome. D'accord. Je veux pas avoir part au jugement. Mais je veux pas être complètement pour ça. Pour toi. Pardonne-moi, hein, Seigneur. Mais non. C'est trop pour moi. Moi, je pourrais pas vivre comme ça. Et là, on voit que les messagers, les malach, on dit en malach en hébreu, c'est un messager ou un ange. Mais c'est celui qui est envoyé, littéralement. Ils disent, on va encore te faire grâce. Là. Quand on lit ce texte, les bras nous en tombent. Les bras nous en tombent. Et la femme de Lot, elle n'a pas pu. C'était trop lui demander que de quitter la vie du monde. Et elle s'est retournée en disant, ah, oh, quel regret. Alors, on peut la juger rapidement, mais c'est vrai qu'elle avait ses enfants, une partie de ses enfants, ses filles et ses gendres. Était encore dans Sodome, peut-être ses petits-enfants.
Mais ce qu'il attachait à Sodome était plus grand que ce qu'il attachait à Dieu. Alors elle s'est tournée vers ce vers quoi son cœur était attiré. Pas vers Dieu, mais vers la terre. Et elle est devenue quelqu'un de stérile. Une statue de sel. Le sel, c'est stérile. Et Lot se sauve avec ses deux filles. Il va vers Tsoar. Et là, il voit le jugement. Il voit ce cataclysme arriver. Et tout d'un coup, plus du tout envie d'aller à Tsoar. Il va dans une grotte. Et dit là, non, je comprends. Dieu est puissant. Il a perdu sa vie. Et Jésus avait dit, celui qui voudra garder sa vie la perdra. Et celui qui voudra la perdre, à cause de mon nom, la retrouvera dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans le haut là, là-bas. Et Lot a perdu même ce qui faisait, comment dire, battre son cœur, vivre selon le modèle d'une petite ville, d'une toute petite... Non, tellement peur que non, même plus ça. Je vais vivre tout seul dans une grotte avec mes filles. Et ça engendrait quoi? Les Moabites et les Ammonites. Le fruit de l'inceste. Il y a eu quelque chose de chez Lot et chez ses filles qui n'était plus du tout à sa place. Et pourtant, il a été sauvé. Vous comprenez que le salut ne dépendait pas de Lot ni de ce qu'il faisait ou ce qu'il ne faisait pas. Parce qu'il y a une phrase dans le texte biblique que l'on a lu qui est merveilleux. Quand Dieu jugea les villes des plaines, il se souvint d'Abraham et sauva Lot. L'enfant de Dieu, qui ne veut pas perdre sa vie selon les modalités du monde, sera sauvé non pas parce que c'est un bon chrétien, non pas parce qu'il est vainqueur, non pas parce qu'il a choisi de vivre la croix, mais c'est sur la seule et unique base du fait que Dieu regarde à son fils et à son sacrifice. Dieu se souvint que son fils est mort sur la croix pour lui. Et là, on va mettre le parallèle avec ce que disait Paul aux Corinthiens. Toutes ses œuvres, tout ce qu'il a bâti, on parle de Lot, tout ce qu'il a établi, il était quand même responsable de la ville, dans la ville. Il était un ancien de la ville puisqu'il siégeait à la porte de la ville. Donc c'était un notable, c'était un décideur. Ces richesses qu'il avait amassées, les alliances qu'il avait faites avec les uns et les autres, les affaires, tout ça a disparu en un instant. Il a tout perdu. Il a juste eu le salut. Il a juste gardé le salut. Jésus disait à ses disciples, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. » Les enseignements que l'on entend la plupart du temps dans le monde évangélique, c'est « On est sauvé, on est au paradis, tout le monde est dans la même situation, c'est merveilleux, merci Seigneur, Jésus sauve, Jésus guérit, point. » Non, c'est pas ce que la Bible nous apprend. La Bible nous apprend que au vainqueur, je mettrai le nom de mon Dieu. Au vainqueur, je lui donnerai un nouveau nom. Je ferai du vainqueur une colonne dans le temple de mon Dieu. Il aura le nom de la Nouvelle Jérusalem. Il portera le nom de la Nouvelle Jérusalem. Il aura une robe blanche, ça veut dire la sacrificature. Au vainqueur, je donnerai. Et le vainqueur, c'est celui qui sera résident de la Nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce que le vainqueur? On a dit que c'était Noar. On a dit que c'était celui qui vivait selon les commandements de Dieu. Que c'était celui qui vivait selon la parole de Dieu. Eh bien, celui qui vit selon la parole de Dieu accepte d'être changé par elle. Il accepte d'avoir une mise à mort dans sa vie pour vivre une vie de résurrection. Le vainqueur, c'est celui qui est pour qui le monde n'a plus aucun attrait. Au contraire, contrairement à Lot, c'est celui qui dit... Oh, ce que le monde a à m'offrir par rapport à ce que Dieu me donne, je considère ça, comme disait Paul, comme de la boue. Comment ai-je pu être attiré par ça? Ça me dégoûte maintenant. Mais non, c'est pas ça la vraie vie.
La vraie vie, c'est en Jésus-Christ. La vraie vie, c'est être transformé par la puissance du Saint-Esprit pour être rendu semblable à Christ. Ça, oui, c'est la vie. Et Seigneur, garde-moi fidèle dans cette position. Je veux être vainqueur. Alors, le vainqueur, il ne pêche plus jamais. Non. Le vainqueur n'a plus aucune faiblesse. Non. Et c'est des accidents. Et pourquoi est-ce qu'il faut être vigilant? Parce que tout comme le temps des 120 ans de Noé, tout comme le temps de la patience de Dieu pour Sodome et Gomorre, et tout comme le temps de la patience de Dieu pour le temps de grâce dans lequel nous sommes, nous, depuis la mort de Christ sur la croix jusqu'à maintenant et jusqu'au moment où Dieu va refermer la porte de la grâce des nations, rien n'est figé. Celui qui est sauvé peut abandonner la foi et peut décider de retourner en arrière. Alors je sais qu'il y a des enseignements, et là je ne vais pas me faire des amis, qui disent quand on est sauvé, on ne peut plus perdre le salut parce que c'est Christ qui maintient son, qui nous maintient dans sa forte main. On ne peut pas, personne, nul ne peut nous ravir de sa main. Oui, c'est vrai, tout à fait vrai, dans ce qui dépend de Dieu. En ce qui concerne Dieu, nul ne peut nous ravir de sa main à partir du moment où nous nous plaçons dans la main de Dieu. Mais si nous en sortons, si nous décidons maintenant que le péché dans notre vie n'est plus un accident, mais que nous voulons vivre selon le péché. Ben Paul en parle. Ceux qui ont connu la grâce de la vie de l'esprit et qui sont retournés comme le chien retourne à son vomi. Pour eux, il n'y a plus de sacrifice possible. Il n'y a pas une deuxième... C'est comme s'ils avaient crucifié une deuxième fois Christ pour eux-mêmes. Paul en parle, c'est biblique. Mais là, alors... Maintenant, je vais essayer de calmer certaines craintes peut-être de personnes qui me regardent et qui disent « Oula, moi quand je pêche, qu'est-ce qui se passe ?» Non, celui qui veut vivre selon le cœur de Dieu, il va pécher. Oui, mais il se repent. Mais il va pas dire « Oh, bah moi je vis selon le péché, selon toutes mes convoitises, puis Seigneur, hein, t'as qu'à me sauver. Hein. Moi, à partir du moment où j'ai accepté, je fais ce que je veux. Et à partir de là, je me remets même plus en question. » Hein, comme Lot lui-même malgré tout se troubler son âme, torturer son âme à cause du péché qui l'environnait. Là, on n'en est même plus là. Non, je vis dans le péché. On est sous la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Dieu, hein, t'as qu'à, plus je pêche, tu as dit là où le péché surabondait, non, où abondait ta grâce surabonde. Alors Seigneur, hein, plus je pêche, plus t'es grâce quoi. Bon, franchement. Ça, c'est les Nicolaïtes. Hein. On va pécher, donc on pas de problème. Si, il y a un problème. Si vous vivez selon les convoitises de votre cœur dans le péché, si vous péchez sciemment et si vous aimez votre péché, ben vous sortez de la main de Dieu. Vous perdez votre salut. Pourquoi? Parce que vous vous appuyez plus sur Christ. Vous avez décidé de faire du sacrifice de Jésus un marchandage pour pouvoir vivre selon vos convoitises. Non. Non. Et celui qui pêche, qui vit selon ça, lui peut à tout instant trouver le salut en Jésus-Christ. Vous voyez, dans ce temps-là, rien n'est figé. C'est pas parce que je suis fidèle aujourd'hui que je peux l'être demain. Il faut toujours, tous les jours, se placer devant le Seigneur et pour dire « Seigneur, je veux vivre selon tes commandements. Je veux me charger de ma croix encore aujourd'hui. Je veux que ce soit toi qui conduise ma vie. » Parce qu'autrement, je sais très bien que moi, je peux être attiré et je serai attiré par le péché. Parce que il y a quelque chose en moi qui aime le péché. Mais Seigneur, je te remets tout cela. Tous les jours de notre vie. Si c'était pas le cas, pourquoi le Seigneur nous demanderait de veiller? Veillez et priez. De peur que vous ne tombiez. C'est Seigneur Jésus qui l'a dit. Ah oui, mais on peut pas perdre le salut. Si, on peut sortir du salut. On peut sortir du salut. Mais quand on se place dans la main de Dieu volontairement tous les jours de notre vie, là donc, d'accord, on peut plus perdre le salut. Parce que tout d'un coup, on a remis notre volonté entre les mains de Dieu et c'est le Seigneur qui nous tient dans sa main. Et alors, ni le diable, ni les dominations, ni les épreuves, ni le monde, ni les agents de Satan dans le monde ne peuvent nous ravir de la main du Seigneur. Nous sommes protégés.
et nous sommes gardés dans le salut en Jésus-Christ parce que nous avons décidé de nous y placer. Alors Lot a été sauvé parce que Dieu s'est souvenu d'Abraham. Les chrétiens qui vivent selon les modalités du monde, tout en ayant le salut, mais qui ne veulent pas perdre totalement leur vie, eh bien vont être sauvés, c'est vrai. Mais comme à travers du feu, comme Lot. Mais ils perdront leur récompense, ça veut dire quoi? Ils ne seront pas citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Ils seront sauvés. Je n'ai pas dit qu'ils allaient avoir part au Sheol, c'est-à-dire à l'enfer. Ils ne vont pas être jetés dans les temps de feu, bien entendu. Eux, non. Mais ils n'auront pas la plénitude de la récompense de Dieu pour eux. Le vainqueur, lui, ce qui vit selon la parole de Dieu, ses œuvres sont de quel ordre? Eh bien, ce sont des pierres précieuses, c'est de l'or. Comme la Nouvelle Jérusalem, elle a des fondements qui sont des pierres précieuses. Elle est faite d'or pur. Les portes sont des perles. Les œuvres que le vainqueur produit, non pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais parce qu'il se confie en Christ, et qu'il laisse Christ vivre en lui, et qu'il laisse la croix faire son œuvre dans sa vie, produit des œuvres d'éternité. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, la Nouvelle Jérusalem est en train de se bâtir. Et elle descendra d'auprès de Dieu pour venir s'établir sur la terre. C'est pourquoi Yerushalayim, c'est un pluriel qui, en hébreu, c'est que deux. Quand vous avez Shalayim, ça va par deux. Comme Ayin, nos yeux, c'est par paire. Et donc, c'est un pluriel juste pour deux. Quand vous avez les Nevi'im, c'est un masculin pluriel, him, mais c'est plus que deux. C'est à partir de trois. Mais Yerushalayim, Shalayim, ça, c'est un pluriel à deux. Donc il y a deux Jérusalem. Il y a la Jérusalem terrestre et la Jérusalem que nous sommes, nous, si nous sommes vainqueurs, que nous bâtissons en Jésus-Christ, nous apportons à Dieu par nos œuvres d'obéissance, notre adoration dans l'obéissance et dans l'accomplissement de la parole de Dieu, nous apportons à Dieu une offrande qui est des pierres précieuses, de l'or, des perles, qui bâtissent la Nouvelle Jérusalem. Donc nous sommes, en tant que vainqueurs, citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Et nous serons citoyens de la Nouvelle Jérusalem dans le règne du Christ sur terre, dans le millénium, et dans le Olam Abba, c'est-à-dire dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Alors, on a dit que l'œuvre de la croix, et je terminerai par ça, l'œuvre de la croix peut nous faire peur. Parce que souvent, on apporte l'œuvre de la croix comme étant, c'est la mise à mort. On se rappelle plus de la mise à mort de la croix que de la vie de résurrection. Quand on dit « il faut que la croix agisse dans ma vie », on se dit « ah, il faut qu'elle me blesse, il faut que je passe par l'épreuve, il faut que j'ouvre le tombeau de ma vie ». On en revient aux deux dernières méditations. Et pourtant, il y a un texte intéressant qu'on va lire dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 23. Jésus dit une chose très intéressante. Jésus répondit aux disciples, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et là, il est en train de parler de sa mort à la croix. À un autre moment, il a dit, « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour attirer tous les hommes à lui. » Vous vous souvenez de ce texte? Mais je vous ai toujours dit que les paroles ont toujours un sens dans la Bible. Et quand Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme soit glorifié. Alors on dit, il est glorifié parce qu'il est ressuscité, puis il est monté aux cieux. Il est glorifié. Non. Il aurait dit ça après le supplice de la croix. Il parlait bien de la croix. Il faut que le Fils de l'homme soit glorifié. Et
Je vais juste faire une toute petite parenthèse là. Vous avez noté qu'à chaque fois que c'est le jugement, il en sera au jour du Fils de l'homme comme du temps de Sodome et Gomorrhe, comme du temps de Noé. Vous avez noté que c'est du temps du Fils de l'homme, pas du Fils de Dieu. Et je vous répète, Jésus, quand il est venu pour mourir sur la croix, c'était le Fils de Dieu qui venait apporter aux hommes la chesed de Dieu, c'est-à-dire la compassion, la grâce de Dieu, en mourant sur la croix. C'est le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour apporter la miséricorde de Dieu à l'humanité. Quand il est dans les cieux, il est le Fils de l'homme. Parce que seul un Fils de l'homme peut juger l'humanité. Ce ne peut pas être le Fils de Dieu. Si c'est le Fils de Dieu qui juge l'humanité, il doit juger selon la rigueur de Dieu. Selon la gvoura de Dieu. Et là, nul homme ne peut être sauvé. Mais Jésus, ayant été homme et pleinement homme, il est le représentant de l'humanité auprès de Dieu. Et en qualité de représentant de l'humanité auprès de Dieu, en tant que fils d'Adam, c'est ça que ça veut dire fils de l'homme en hébreu, c'est Ben Adam, fils de l'homme, eh bien, c'est lui qui a la capacité et c'est lui qui est appelé à juger l'humanité. Donc, quand il est question des jugements, c'est le Fils de l'homme qui revient. Quand il revient sur terre pour poser ses pieds sur le mont des Oliviers, Jésus dit, et le Fils de l'homme reviendra sur les nuées, comme il est monté auprès de Dieu. Là, c'est le Fils de l'homme qui vient juger et qui vient prendre autorité sur les nations. Là, c'est Abraham qui a pris autorité sur les quatre rois qui représentent les quatre empires. C'est Éliézer qui sauve, qui secourt. Mais c'est le Machiav dans le sein d'Abraham qui est devenu le fils de l'homme, le Ben Adam, qui vient non seulement mettre un terme aux empires humains qui martyrisent l'humanité, mais qui plus est, dit maintenant, l'humanité doit marcher selon les commandements de Dieu. C'est pour ça qu'on entend dans le livre de l'Apocalypse cette parole qui dit: il pètera les nations avec un sceptre de fer. Ce ne sera plus le temps de la grâce. Ça sera le temps où les nations devront marcher selon le cœur de Dieu. Et dans le Olam Haba, dans le monde à venir, eh bien tout ça se retrouvera. Et il n'y aura plus de mal, il n'y aura pas de grincement de dents ni de pleurs, bien sûr. Même pour des Lot, ils seront sauvés. Mais malgré tout, ils verront que ils étaient appelés à quelque chose d'autre. Ils étaient appelés à régner et ils ne régneront pas. Ils auront le salut. Ils n'auront pas part au jugement. Ils n'auront pas part à l'étang de feu. C'est pour ça que j'ai toujours été insatisfait quand j'entendais des messages qui étaient très binaires. Il y avait les vierges sages, les vierges folles. Les vierges folles étaient perdues, les vierges sages étaient sauvées. Il y avait les boucs et les brebis. Il y avait pas, et je voyais pas où se trouvaient ceux qui étaient sauvés comme à travers du feu. Eh bien, c'est les Lot. Ils sont sauvés comme à travers du feu, mais ils sont sauvés. Mais ils ne vivent pas sur la montagne de Mamré. C'est près des chaînes de Mamré. Ils ne sont pas dans la Nouvelle Jérusalem. Ils n'y ont pas part. Ils ne sont pas, on va parler comme des hommes, hein. Ils ne sont pas du gouvernement de Dieu. Seuls ceux qui ont perdu leur vie dans la dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui régneront avec Christ, pas les autres. Et ce qui est terrible, c'est que les autres auront pas une part au jugement qui va venir. Pas pour leur perte, mais une part au jugement qui va venir. Et ce qui va arriver dans les années qui sont devant nous ne va pas aller dans le meilleur des mondes. Les jugements de Dieu sont là. Et ils vont être rendus participants, tout comme Lot a été amené par les rois qui sont venus faire la guerre à Sodome et Gomorrhe. Il a été déporté avec eux. Il a été pris avec eux comme prisonnier. Et eux, ils sont comme prisonniers du système, prisonniers de ce monde
et de ce que les hommes proposent dans ce monde. Ils sont prisonniers de cela. Ils ont une part au jugement. Ils seront secourus parce que Eliezer est là, parce que Abraham est là, parce que Jésus a donné sa vie, parce que Jésus est vainqueur. Mais malgré tout, ils auraient pu, se soustraire à cette épreuve qui était d'être vaincu, d'être prisonnier, d'être déporté, s'ils étaient restés près des chaînes de Mamré. Alors, pour terminer cette méditation, aujourd'hui, peut-être qu'on réalise qu'on est des lotes, et on se dit, mais c'est trop dur pour moi de perdre cette vie-là, j'ai pas envie de tout perdre. Eh bien, pensez à ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous. Il a accepté, lui qui était dans la gloire, d'abandonner sa gloire pour revêtir un corps limité dans un monde limité. Lui qui était sans limite, lui qui était dans une plénitude, il a accepté de rentrer dans une finitude. Et non seulement ça, il a accepté de perdre la gloire qu'il avait, de perdre l'autorité qu'il avait, et il s'est soumis à la créature, et il s'est placé entre ses mains pour être mis à mort par elle. Tout ça pourquoi? Pour racheter ceux-là même qui le clouaient sur la croix. Alors, vous qui vous sentez comme des lotes aujourd'hui et qui écoutez ce message, peut-être qu'il serait bon de vous poser cette question. Est-ce qu'il n'est pas légitime que le Seigneur me demande ma vie en retour de ce qu'il m'a donné? Et en acceptant ce chemin-là, ce chemin de victoire, ce chemin de la croix, c'est encore une grâce qu'il nous fait. Parce qu'il dit, ben, si vous acceptez ça, vous allez régner avec moi. Je sais que votre nature désire vivre selon le modèle du monde, mais je vais vous donner encore plus. C'est encore une grâce de sa part. Et la croix qui vous fait si peur, en disant oh, « mais je vais tout perdre, ça va être l'épreuve, je vais mourir à moi-même, je veux pas. » Vous allez comprendre si vous y rentrez, si vous acceptez de prendre cette décision et de dire « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est comme le salut. Hein. » Quand vous avez décidé, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui j'accepte ton sacrifice, je te demande pardon pour mes péchés, je suis pécheur, je vais être réconcilié avec Dieu. Vous avez fait cette prière-là. Eh bien aujourd'hui, vous pouvez faire la prière suivante. Seigneur, pendant tout ce temps-là, j'ai vécu selon mes envies, selon le modèle que le monde me proposait, mais aujourd'hui, je veux que tout ça soit derrière moi, je veux vivre selon ta croix pour vivre de ta vie. Eh bien, vous verrez que avec le temps, la croix ne sera plus un lieu de mort et de mise à mort, mais la croix sera pour vous un trône, parce que la croix c'est un trône, et c'est pour ça que le Fils de l'homme a été glorifié. Le Fils de l'homme a été glorifié parce que la croix est un trône. Quand vous êtes passé par la mort, vous êtes ressuscité, et à partir du moment où vous vivez la croix, vous êtes assis à la droite du Père en Jésus-Christ, et vous avez autorité en Jésus-Christ. Vous avez autorité sur les dominations et sur tous les démons et sur les œuvres du diable. Mais si vous demeurez dans Sodome, si vous vous satisfaisez de cette vie-là, vous n'avez aucune autorité. Vous pouvez prier, mais c'est comme une timbale qui résonne et ça fait rien. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité? Il n'y a pas... Dieu ne s'investit pas, parce que Dieu ne s'investira pas dans une ville de péché. Dieu ne s'investira pas dans une vie de compromis. Mais celui qui a perdu sa vie pour Christ règne déjà avec Christ. Et alors, celui qui a les yeux ouverts par la vie de la croix en lui, voit qu'il est déjà, d'ores et déjà, en train de régner avec Christ. Et ça leur remplit d'espérance. On croit qu'en étant Lot, on va gagner sur tous les tableaux.
On va être sauvé du jugement et en même temps, on profite bien de ce que le monde nous propose. Mais ça, c'est un leurre et c'est un mensonge. Et pourquoi Satan vous désire vous voir toujours dans cet état-là? Parce que vous ne lui faites pas peur si vous restez des Lot. Il n'a pas peur de vous. Vous ne faites rien contre les œuvres du diable. Vous n'agissez en rien contre son trône. C'est la raison pour laquelle vos œuvres vont se consumer dans le feu. Vous allez tout laisser derrière vous. Mais si vous rentrez dans la vie de la croix, si vous rentrez dans la vie de vainqueur, alors là, vous faites mal à Satan. Parce que vous laissez Christ agir. Mais c'est une gloire pour vous. C'est un trône sur lequel le Seigneur nous a placés pour que nous ayons autorité en son nom. Alors, mon exhortation pour les Lot, c'est prenez le chemin de la croix, traversez Gilgal, rentrez dans cette vie-là. Et pour ceux qui y sont rentrés, persévérez, n'abandonnez pas. Ne vous préoccupez pas de savoir si vous avez perdu le salut parce que vous avez péché. Ça, si c'est de la faiblesse, c'est de la faiblesse, ça arrivera. Et le Seigneur peut même parfois utiliser nos faiblesses pour nous faire grandir en lui, de manière à nous faire comprendre que nous sommes dépendants de lui. C'est toujours pour nous attacher toujours plus à lui. C'est pas nous faire pécher parce qu'il aime qu'on pêche. Si vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il va utiliser notre faiblesse pour qu'on désespère de nous-mêmes toujours plus pour pouvoir être toujours plus dépendants de lui. C'est ça le chemin. Mais il ne faut pas se dire non plus, il peut y avoir un autre danger. C'est que tout d'un coup on se dise, je suis fort, je suis costaud. Il serait quand même dommage d'avoir couru toute la course. Et que d'arriver au moment où on va franchir la ligne d'arrivée, on s'effondre. Parce qu'on n'a pas été vigilant. Il nous faut être vigilant dans cette vie de victoire, dans cette vie de vainqueur. Et pour être vigilant, c'est attaché à Christ, attaché au Seigneur, porter notre croix chaque jour, c'est tous les jours. Gilgal, je répète encore, c'est une roue, c'est sans fin. C'est une roue qui revient toujours. Et la croix est la base sur laquelle nous vivons. À partir de là, il n'y a pas de question à se poser. Nous sommes citoyens de la Nouvelle-Jérusalem. L'air les chalons.